bouches d'essence qui sont pleines. Bon, enfin, tout va bien. Bon, c'est l'heure de mettre la petite crème solaire que m'a offert Dani sur le bras gauche. Voilà, ça crame un peu. Ouais, d'ailleurs la crème solaire est bien chaude. Je sais pas combien il fait de degrés encore aujourd'hui, hein, mais ça cogne. Hein. Donc voilà. Les oreilles un peu. Je devrais pas les perdre, déjà que j'entends pas bien. Allez, c'est reparti. Donc je suis en train de quitter le Mali. Je retourne au Sénégal. La voiture, j'ai fait une petite révision à Bamako. Un super petit garage avec des gens vraiment très compétents. On s'est occupé du blocage de différentiel qui a été resté bloqué. Sur la piste, il y avait du sable à l'intérieur dans le moteur, incompréhensible. Enfin bref. Donc ça fonctionne bien. On a changé la pompe à essence. Donc elle fait beaucoup moins de bruit. Elle est surtout moins puissante. J'ai monté une 4 bars. Donc pour l'instant, tout fonctionne bien. On a fait la vidange moteur, des petits réglages d'injection. Voilà, la voiture est au top. Elle est au top pour attaquer de nouvelles pistes dans de nouvelles régions. Ça fait combien de jours que vous êtes là? Deux jours. Oui. Et vous n'avez pas d'eau? Non, il n'y a pas d'eau. Vous n'aviez pas d'eau? Non. Heureusement que je me suis arrêté alors. Oui, oui. Bon. Et là, c'est grosse mécanique là. Oui, c'est mécanique. C'est mécanique. Eh, vous avez trois fois rien. Hein. Et vous allez pouvoir réparer? Oui, oui. Ça va fonctionner? Oui, ça va. Vous avez les pièces? Vous avez des pièces de secours? Pièces. Ouais, les pièces de secours. Vous avez des pièces? Oui. Non? Bon. Bon courage. Bon courage, merci. A bientôt. Ok, salut. Les routes sont tellement défoncées, il y a des trous énormes. Le bus, il avait cassé ses fixations d'essieux. Impressionnant. Bon, moi je vous cache pas que j'ai loupé 2-3 trous, j'ai pas le volant tout à fait bien droit, je vais pouvoir refaire le parallélisme. C'est l'enfer ce goudron, l'enfer. Il n'y a pas le choix. Pour quitter le Mali, on est obligé de prendre ce tronçon de route. Tronçon de route qui dure des heures hein, quand même. On calcule pas en kilomètres, hein, on calcule en heures.
deuxième, première, deuxième, tout le temps. Finalement, même sur une mauvaise piste, on va plus vite. Et on peut même pas contempler le paysage parce qu'il faut être tellement concentré sur les trous que dès qu'on regarde ailleurs, et ben paf, la sanction est immédiate. Le trou qu'on n'avait pas vu, on est forcément dedans. Je vous raconte pas les bruits dans la voiture, ce que ça fait. J'ai mal pour l'auto.